Hello, hello! J'espère que vous allez bien. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, nous sommes en croisière. Que Lilou et moi, cette fois-ci, on est venus, donc on a fait une croisière. On fait une croisière d'une semaine en Méditerranée avec Costa Croisière. Avant que je commence le vlog, les filles, je ne sais pas, un partenariat. Costa ne connaît pas mon existence à travers YouTube parce que vous avez été quelques-unes lorsque j'ai posté une story sur Instagram. Elle dit Touria, tu pars avec Costa, enfin c'est une collaboration. Non, j'aimerais bien, franchement. Et ton fan obsédé même par les croisières, franchement, si Costa me contacte pour une croisière, évidemment que je dirais oui. Mais non, Costa ne, voilà, c'est pas une collaboration, c'est une croisière que j'ai payée moi-même, même avec mon propre argent. J'ai décidé de vlogger, voilà, de vous embarquer avec moi. À ma grosse surprise, vous êtes plusieurs, les filles, enfin plusieurs, j'abuse un petit peu, quelques-unes à avoir réservé, en tout cas à avoir comme projet de partir en croisière pour les vacances. Lorsque j'ai posté mon dernier vlog, donc lorsqu'on nous sommes partis avec mon mari en famille, j'ai reçu pas mal de messages pour me dire Touria, qu'est-ce que tu me conseilles, si tu as des conseils à me donner par rapport aux croisières, la vie à bord. Et je me suis rendu compte, même mon mari m'a dit, mais c'est vrai, en fait ces questions là reviennent assez souvent et j'ai pas pris le temps de répondre à ces questions, et je vais le faire pendant cette semaine là. Je vais donc vous prendre en vlog et essayer de détailler vraiment un maximum. Parce que je sais, voilà, pour une première fois, on est un petit peu perdu. On ne sait pas vers qui on doit réserver, comment y aller, quel itinéraire prendre. Surtout, les questions que je reçois le plus, c'est concernant la vie à bord, les forfaits boissons. Il faut savoir, les filles, attention, ne tombez pas dans le piège. Lorsque vous payez un billet, enfin une croisière, c'est pas tout compris. Vous payez votre billet, pas tout compris, bien évidemment que vous avez accès au self-service, quelques restaurants et tout, mais tout ce qui est boisson et tout, les filles, c'est payant. Pour vous situer un petit peu et vous donner un exemple, une bouteille d'eau, qui est juste là d'ailleurs, de 1 litre 5, je pense, oui, elle, même pas, 1 litre 25, coûte 4 euros à bord. Et si vous souhaitez donc vous faire plaisir et boire un cocktail, il faut compter entre 8 et 16 euros. Mais il existe des forfaits avec alcool, sans alcool, un forfait illimité. Voilà, à vous de voir après, selon votre budget, combien de personnes vous, enfin, pour combien de personnes, etc., etc. Mais
lorsque vous voyez donc par exemple une semaine en croisière en Méditerranée à 399 €, ça ne va pas vous coûter 399 €. Autre chose avant que j'oublie, vous payez les taxes à bord et journalières. Un exemple, vous partez une semaine, vous allez payer tous les jours, donc 7 jours, des taxes à bord. Donc il faut compter entre 10 et 12 euros le jour et par personne. Moi, personnellement, je vous conseille pour une première fois en tout cas, de passer par une agence comme ça, physique, vous lui posez toutes les questions. Et encore, hein, pas tout le monde est bienveillant, pas tout le monde va vous donner les détails parce que voilà. Je généralise pas, mais lorsqu'on travaille dans le monde du voyage, on veut juste vendre, avoir des commissions, tout ça. Mais j'essayerai vraiment de répondre à un maximum de questions que vous m'avez posées. J'espère en tout cas vous aider et ça me fait énormément plaisir que ça vous donne envie comme ça, vous donne envie de partir en croisière. Parce que moi, il faut savoir, nous, hein, c'est l'une de nos, je dirais pas passions, mais un plaisir. Vraiment. Concernant Lilou, si vous êtes plusieurs à me dire, mais Touria, Lilou, comment tu fais? Il s'absente. Alors oui, Lilou, il s'absente avec l'accord du directeur et la maîtresse. Avant de réserver, je demande toujours si c'est possible. Donc je le fais par écrit et verbalement aussi. J'ai toujours l'accord. Donc Lilou, voilà, ne manque pas l'école. Je vais pas mentir à l'école, hein, je vais pas leur dire il est malade ou quoi que ce soit. J'ai toujours été honnête, là, les trois croisières qu'on a fait cette année avec Lilou, l'école, enfin le directeur savait le motif de l'absence, la maîtresse savait. Lilou, quand il revient, il dit à tout le monde, j'étais dans le bateau, il racontait tout. Donc voilà, il faut savoir aussi, dans petite section, il n'est pas en maternelle, c'est pourquoi on s'est permis cette année de l'emmener avec nous à chaque fois qu'on partait. Mais l'année prochaine, quand il sera au CP, évidemment qu'on n'aura pas ce luxe-là de partir comme ça sur un coup de tête. Et autre chose aussi, c'est que pour les croisières, lorsque vous souhaitez partir à un prix raisonnable, en général, c'est la dernière minute. Et moi, j'ai réservé vendredi, les filles, pour un départ, un embarquement dimanche. Alors oui, il faut être flexible. Moi, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une petite pause donc niveau travail. Voilà, donc je suis flexible et je peux partir, disons, quand je peux, enfin, quand le prix est intéressant aussi. Voilà pour ça et c'est parti. Donc on a embarqué hier, je ne vous l'ai pas dit les filles. Donc dimanche, nous sommes lundi. Nous sommes au port de Barcelone. Il fait extrêmement chaud, 25 degrés. Je me suis habillée vraiment léger. J'ai mis un petit débardeur comme ça. Cette petite veste blazer sans manches que j'adore de chez Shein. J'ai mis avec un petit short et au pied, j'ai les birques. Les filles, je vais aller récupérer Lilou parce qu'il est parti donc faire des activités avec le club pour enfants. Je le récupère, on passe manger et ensuite on va sortir donc visiter Barcelone. On a du temps jusqu'à 18h ou 18h30, je pense que c'est 18h30, tout le monde à bord. Et le bateau partira, quittera Barcelone pour 19h il me semble. Allez, let's go les filles, pour encore pour cette nouvelle aventure entre mère et fils. Avec moi, je vous embarque les filles, c'est parti.
cabine après notre petite escapade à Barcelone. Il m'est arrivé quelque chose d'assez assez flippant, les filles, je vous raconte. En fait, on s'est posé quelque part avec Lilou pour boire quelque chose parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc je lui dis, viens, on se met à l'abri en attendant, parce que j'ai pas pris aussi les parapluies avec nous. Ça c'est tout moi, à chaque fois qu'on part quelque part, je prends jamais les parapluies, enfin bref. Et il y avait des mecs en fait derrière nous en train de boire leur café, nous regarder et nous fixer, on va dire, Lilou et moi, du regard. Franchement, j'ai pas fait attention. Et donc je me lève pour aller payer, pour venir justement regagner le port. Je marche et à un moment, donc Lilou perçoit des canards. Elle me dit, attends maman, je vais jouer avec eux et tout. Je vais pour donc avec Lilou. Je lui dis, attends, je te fais quelques photos, on va les envoyer à papa. Et au moment où je vais prendre Lilou en photo, je vois les mecs derrière moi. Un en particulier, donc il regardait mes affaires, mon sac, la poussette. Enfin, il regardait mes mouvements, les mouvements de mes mains. Parce que je sortais mon téléphone, j'avais mon appareil photo parce que j'étais en train de vous vlogger, mon sac qui était accroché donc à la poussette de Lilou. Enfin bref, il regardait le mouvement des mains, les détails, etc. Ça a un petit peu commencé à me travailler. Après, je me suis dit, bon, sois vigilante, fais attention à ton téléphone et tout. Je sais que Barcelone, voilà, il y a beaucoup de pickpockets comme dans les grandes villes, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a un mec, enfin, un des trois qui vient à côté, enfin, il passe à côté de moi, il me regarde comme ça et lui dit, la bague, la bague. Donc, il parle en arabe. Sauf que je comprends l'arabe, je suis maghrébine. Donc, il dit à son copain, la bague, la bague. Alors, je pense pas qu'il parlait de celle-ci parce qu'elle me va grande. Et en plus, à ce moment-là, elle était comme ça sur mon doigt. Comme je vous dis, elle tourne parce que c'est pas à ma taille. Mais celle-ci, elle est déjà assez imposante, hein, on la voit bien. Et celle-ci, elle était bien visible comme ça, vous voyez. Donc, quand il dit la bague, je comprends tout de suite. Donc, je regarde mes mains. Celle-ci, comme je vous disais, elle était dans ce sens-là. Comme ça, on ne voyait rien du tout. Et donc, je fais ça et je vois, en fait, son regard qui est positionné sur ma bague. Et là, j'ai tout de suite compris que, voilà, il voulait me voler. En plus, il a vu voilà, une jolie bague parce que... Je sais pas pour me vanter ou quoi que ce soit les filles, mais c'est de l'émeraude avec des diamants. Donc je pense qu'il a dû comprendre que c'est une bague de valeur, pardon, et qu'il pouvait me la voler et se faire de l'argent en la revendant, tout simplement. Donc j'ai rangé tout de suite mes affaires, j'ai dit à Lilou de monter dans la poussette. En plus je parlais en français, donc il a compris que j'étais une touriste. J'ai dit à Lilou, tu montes tout de suite dans la poussette. Et j'ai tout de suite appelé mon mari en fait en FaceTime avec le téléphone comme ça. Ça, j'ai dit à mon mari, en plus j'ai parlé à mon mari en arabe pour qu'il comprenne que j'ai compris ce qu'il a dit, qu'en plus j'ai un mec qui est en train de parler avec moi, donc fais attention. J'ai appelé mon mari et tout, je lui dis écoute, il me dit ouais ça va et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc il s'attendait pas à ce que je l'appelle à ce moment-là. J'ai dit non, rien, juste pour te faire un petit coucou, ça va, tu vas bien. Et mon mari commençait un peu à me regarder, genre il dit ouais, regarde, je te montre. Donc Barcelone, machin et tout, on va tout de suite vers le port, reste avec moi, fais le trajet avec moi. Et donc je continue à marcher, je me suis focalisée en fait sur la baisse, sur le FaceTime avec mon mari. Et je voulais pas me retourner ou quoi que ce soit. Et un moment en fait où je dois prendre le tournant à gauche pour aller prendre la navette pour rejoindre le bateau. Donc je regarde derrière moi, ils sont plus là. Par contre ils sont tout au fond, ils m'observent encore, ils me regardent encore. Donc pour voir si j'allais couper l'appel ou pas. Donc j'ai dit à mon mari, donc comme je les ai vus tout loin, j'ai raconté à mon mari, j'ai dit voilà ce qui se passe. Et... Donc il me dit bon vas-y, je reste avec toi au téléphone et t'isole pas trop, voilà, reste là où il y a du monde. Et il m'a dit d'enlever la bague, mais je lui dis non mais je vais pas enlever la bague parce que si ça se trouve je vais la perdre, je suis stressée et tout. Donc ma bague elle est bien là où elle est. J'étais stressée, j'avais peur quand même. Et je lui dis en enlevant la bague, ça se trouve je vais la perdre, ou Lilou va retoucher à mon sac et je vais la faire tomber. Je laisse la bague là où elle est. Par contre, voilà, fais le trajet avec moi jusqu'à là. Il est resté du coup jusqu'à ce qu'on monte dans le bateau. Voilà, donc j'ai rencontré des pickpockets, on a voulu me voler, ça n'a pas marché. Et ouais, c'est fou quand même, comme les gens ils sont capables de voler, d'agresser. Vous l'avez vu les filles, hein, moi je pars souvent sans mon mari, avec Lilou, il m'est arrivé de partir seule. J'ai jamais eu de soucis. Mon mari me dit fais gaffe, fais attention à ton sac, ton porte-monnaie et tout. Je suis vigilante, je suis assez vigilante sur ça parce que ben, je vis dans une grande ville à Marseille et
Je connais, je sais ce que c'est les pickpockets, je sais qu'il faut faire attention à ses affaires. Je mets toujours, vous voyez, mon sac devant comme ça. Je pense que s'il n'avait pas dit la bague, j'aurais pas fait attention, j'aurais continué mon chemin sans appeler mon mari. Et là, peut-être que voilà, j'aurais pris en prenant le tournant. Il serait venu, je sais pas, on pointait un couteau, me dire donne-moi ta bague ou donne-moi ce que tu as sur toi ou je sais pas, j'en sais rien. Enfin bref, les filles, on va au restaurant. Là, il est déjà 21h. Le restaurant commence à 21h15. J'ai mis la robe H&M que je vous ai montrée la dernière fois dans le haut. Donc j'espère que vous voyez bien. Regardez, je suis toute rouge. Les filles, j'arrête pas de me gratter. Je sais pas pourquoi. Alors c'est pas dû à la robe parce que depuis cet après-midi, je me gratte à ce niveau-là. Ça se voit là, je suis assez rouge. Ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais vous la montrer en entier parce que je vous avais promis que j'allais vous la montrer portée. Voilà les filles, je vous montre la robe, regardez de plus près comme ça portée. J'irai voir à H&M s'ils l'ont sorti en d'autres coloris. Je la verrai bien, vous savez, en blanc, un beige, pas beige, un blanc écru ou même en kaki, ça serait canon. La doublure, rien à dire les filles, franchement elle est trop trop belle parce que la dernière fois je vous avais dit comme je l'avais acheté en friperie, je l'avais pas essayé, j'attendais de la laver et c'est parfait, rien à dire. Regardez les filles, je m'éloigne un petit peu comme ça vous voyez bien, hop, elle est parfaite la doublure et la robe aussi. Alors au pied les filles, j'ai mis des petites sandales que j'avais achetées chez H&M il me semble l'année dernière. J'aime bien le talon parce que vous voyez il est tout petit donc c'est confortable pour marcher. Et puis voilà, rien de foufou, hein. J'ai pris mon sac avec moi, le Zadig, et voilà. Je vais aller récupérer Lilou parce qu'il est allé au club, il y avait un spectacle de pyjamasque. Et on ira manger, je sais pas, on verra après si on est fatigué ou pas. Moi je vous avoue que oui parce que lui il a fait une petite sieste dans la poussette. On verra si on continue la soirée dans le bateau ou si on vient dans la cabine se coucher. Allez c'est parti, je vous emmène les filles. Je vous prends le lendemain depuis Palma de Mallorca avec monsieur Lilou. Il est dans la poussette, il fait nuageux, le ciel est couvert donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'ai pas pris de parapluie. Bon, au pire, voilà, je prendrai un quelque part H&M ou voilà, ou Primark ou quelque chose comme ça. C'est parti, je vous embarque encore en cette journée avec nous, avec Lilou. Coucou! Regardez! Allez, c'est parti! On a fait une petite pause avec Lilou. Il avait faim, je me suis arrêtée à McDo, je lui ai pris un Happy Meal. Et puis on va continuer la visite. Il y a du soleil, mais il pleut quand même un petit peu. Il y a du monde, beaucoup de monde. Contrairement, on était venu donc le mois de mars, oui, début mars. Là, il y a un monde de fou. Que ce soit dans le bateau, même à Palma de Mallorca aujourd'hui, il y a énormément de monde. Je vais vous montrer de toute façon. Allez les filles, c'est parti, je vais pas aller très loin parce qu'il est déjà 12h40 et on doit rejoindre, non, le bateau partira à 17h tout le monde à bord et 17h tout le monde à bord et 17h30 il quitte le port de Palma.
je vous reprends, on est arrivé au port. Je suis désolée, vraiment, je vous ai pas beaucoup pris en vlog à Palma. Il a plu, tout simplement. J'ai même acheté un petit parapluie de secours. En plus, j'ai la poussette avec moi, donc c'est compliqué d'avoir... J'ai que deux bras, je pouvais pas pousser la poussette, tenir le parapluie. Et l'appareil photo, c'était compliqué. On s'est réfugié dans un petit restaurant avec Lilou. On a mangé, ensuite voilà, on est resté à l'intérieur pendant 1h45. Et puis voilà, là comme par hasard, au moment de rejoindre le bateau, regardez les filles, le soleil est revenu. Et notre bateau, est-ce que vous le voyez par là? Et juste là derrière, donc thank you. Donc on va pas marcher beaucoup, mais malheureusement voilà, il faut rejoindre le bateau parce qu'il part dans un quart d'heure. Voilà les filles. J'essayerai de vous prendre en soirée pour vous montrer un peu. Le thème dans le bateau et puis voilà, j'aurais aimé vraiment vlogger plus, faire plus de photos et le temps nous l'a pas permis, le temps n'était pas au rendez-vous, bon c'est pas grave. Allez, on y va dans le bateau. Les filles, regardez-moi l'immensité de ce paquebot, il est juste là, bah, de toute façon vous le voyez, hein. Et la cathédrale, vous la voyez ou pas, elle est juste là. Donc nous avec Lilou, on est passé, bah, on a fait tout ça en fait. Hop, on est allé jusqu'à la cathédrale pour vous situer un petit peu. Yo de lejos como un ovni, le hice todo que soy su homie. Pero en la cama nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby. Bebé sí que tiene la táctica, pero yo tenía la técnica. Él solamente te hace llorar, yo en la cama te ponía a gritar. Pero se perdió el interés. No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes. Aquí en la cama no llevábamos re bien. Pero pa' mano siempre fue mero bizarre. Justo por eso se perdió todo el interés. No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes. Aquí en la cama no llevábamos re bien. Pero pa' mano siempre fue mero bizarre. Llevo los recuerdos tuyos como un souvenir. Hay cosas tan reales que se tienen que decir. Solo un verbo se tiene que sentir. Y si es para meterlo no necesito mentir, yeah. A ti es un juego a lo Atari. Siempre andas en casa por donde a Flow Safari. La dueña del circo cuando entras en el party. Pero se deprime en el hotel y prende money, yeah, yeah. Tú estabas mejor conmigo. Si no pregunto a tus amigos, yeah. Pero yo sigo. Ya que tu arrogancia se volvió tu enemigo. Pero se perdió el interés. Nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby. Les filles, heureux, je vous reprends depuis la cabine. J'ai pris la pluie tout à l'heure, les filles. Je suis en pris la pluie, je suis rentrée avec une touffe comme ça. Du coup, on a fait une bonne douche avec Lilou. On s'est reposé, on a dormi une petite heure et demie, hein, quand même. On a bien dormi, hein, Lilou. On a dormi une bonne heure et demie. J'ai fait donc mon petit brushing. Là, mes cheveux, ils sont tout propres. Au moins, ça va me tenir pour le reste de la semaine. Sinon, je vous ai montré le départ tout à l'heure, les filles. Donc, le bateau a quitté l'île de Palma de Mallorca pour 48 heures de navigation. Donc, demain, toute la journée, c'est journée en mer. Cap pour la Dolce Vita en Sicile, donc à Palerme, jeudi. Et puis voilà, on a reçu le journal de bord pour la journée de demain. Alors, les filles, on ne s'ennuie pas du tout, hein, même lorsque le bateau ne fait pas escale, comme demain. On passera la journée en mer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a de la danse, il y a plein de choses à faire, que ce soit pour les adultes,
ou pour les enfants, il y a différentes piscines, enfin vraiment il y a plein de choses à faire. Mais quand je dis plein de choses à faire, parfois même beaucoup de choses à faire, on peut pas tout faire en une journée comme ça en mer. Et chose à savoir les filles, lorsque vous embarquez, le premier jour vous embarquez, en fait vous téléchargez l'application Costa. Donc vous rentrez votre numéro de réservation, votre nom, et là vous avez votre profil qui se crée. Et à partir de là, vous pouvez consulter via l'application pour savoir comment se passe la vie à bord, les différentes activités qu'il y a à bord, les restaurants qu'il y a à bord. Donc il y a des restaurants qui sont inclus et des restaurants évidemment payants. Vous pouvez également prendre votre forfait à bord, votre forfait via l'application. En fait, vous gérez votre séjour via l'application. Nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Après, pour les personnes qui ont du mal, les seniors et tout, qui ne veulent pas utiliser ou qui n'ont tout simplement pas de téléphone adéquat pour ça, vous avez en fait un journal de bord tous les jours, deux fois par jour, donc le matin et l'après-midi. C'est un journal de bord, hein, tout simplement, ça renseigne en fait les passagers des différents ponts, des différentes activités, des restaurants. La vie à bord, tout simplement. Alors nous, personnellement, les filles, comme je vous disais, on a toujours téléchargé l'application et c'est plus pratique et c'est mieux comme ça. Sinon, le thème de ce soir, les filles, c'est thème coloré. La petite Lilou me regarde parce qu'il est lui aussi, il a une petite tenue trop sympa colorée. Moi, j'ai mis une petite robe comme ça, je vais vous la montrer. Une robe coupe droite, de toute façon vous allez la voir, avec des manches bouffantes comme ça, bien colorée. Là pour le coup j'ai fait un petit make-up aussi coloré, j'ai pris quelques couleurs, je suis trop contente les filles, parce qu'en quittant en fait Barcelone, on s'est posé sur des transats avec Lilou, et là comment vous dire que le soleil tapait, là il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de nuages, rien du tout, le soleil tapait bien fort. Lilou aussi il a pris des couleurs lui encore plus, parce qu'il est plus clair de peau que moi. Et c'est trop cool, ça fait un petit teint allé, un petit teint reposé, genre sur ma conce. En ce qui concerne le club, les filles, pour les enfants, donc de 1 à 3 ans, vous accompagnez, donc les parents accompagnent l'enfant, donc vous restez avec les animateurs, enfin dans le club, vous accompagnez votre enfant dans les activités. Au-delà de 3 ans, donc de 3 à 11 ans, il me semble, oui, après sinon ça passe en ado. Oui, de 3 à 11 ans, donc ça s'appelle Club Scoc. Vous mettez votre enfant toute la journée en fait, si vous le voulez. Moi j'ai jamais mis Lilou toute la journée, mais le club est ouvert de 9h jusqu'à minuit. Vous pouvez sortir, faire votre visite, votre excursion, enfin ce que vous voulez. Moi j'ai toujours pris Lilou, nous on a toujours pris Lilou avec nous, sauf la fois où je suis venue avec lui, où il avait insisté parce qu'il y avait un spectacle de Peppa Pig. Et que j'étais sortie à Barcelone, j'avais fait un aller-retour, mais vraiment en une heure, je l'avais laissé au club. Mais sinon, on a toujours, je prends la poussette, je le prends avec moi. Le but, c'est qu'il soit avec nous et qu'il profite lui aussi des vacances. Mais tout ça pour dire, vous avez le choix, soit vous laissez votre enfant au club, soit vous emmenez votre enfant. Il n'y a pas d'heure limitée, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Et avant, en fait, de la première fois où votre enfant rentre au club, vous remplissez un questionnaire type allergie, est-ce que vous autorisez votre enfant à faire des photos, à manger, est-ce qu'il fait des allergies, etc. etc. Nous, par exemple, on n'a pas autorisé les photos. On a également précisé qu'il ne mangeait pas de porc, parce que s'il reste manger avec les enfants, donc ils partent dans un restaurant, eux aussi. Et puis voilà les filles, concernant le club. Allez, nous on y va pour le restaurant les filles, et on continue cette soirée ensemble. C'est parti. Alors avant que je sorte de la cabine les filles, et j'oublie, je viens juste vous montrer la petite robe de, je vous l'avais pas dit, mais je l'ai achetée chez H&M il y a à peu près peut-être 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. En tout cas ce n'est pas de la nouvelle collection, et au pied donc les mêmes sandales d'hier, c'était les sandales H&M aussi. Voilà, allez let's go. Thank you.
5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, attention à l'autre main. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Thank you.